pour expliquer où on est et par quel chemin ce qui s'est passé ce matin. Malheureusement, j'ai eu une panne d'oreiller. Donc on a une heure de retard à cause de moi. Je vais être obligé de payer la binouze. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on est sur une piste forestière, n'est-ce pas? Et qui va nous amener normalement, si tout va bien, sous des télésièges, pardon. Ce qui nous permettra de raccourcir le parcours. À tout à l'heure. Allez Roger, enlève-moi ce caillou. Bien Roger, bien. Alors moi je suis dans la voiture, mais dehors apparemment, voilà, regardez ce qui vole, regardez ce qu'il y a sur le pare-brise, et voilà, ce à quoi nous allons être confrontés encore aujourd'hui. Allez, il faut monter encore tout ça. Et nous venons d'en bas là. Monsieur, il dit c'est sympa. C'est très sympa. Mais je crois que le mot est faible. On reviendra, hein. On reviendra. On reviendra en hiver cette fois. Briançon, Le Prorel, sud-est, 2 km/h, 5 maximum, 19 degrés. Voilà, alors là nous sommes sur la crête finale qui mène au sommet. Alors Roger est passé devant. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, en jaune et rouge là-bas. C'est un galopin, hein. Il galope le bougre. Donc là je dirais sommet en vue. Je pense que lui il y est d'ici 5 minutes. Et moi le temps que je le rattrape, ça fera 10 minutes. Allez, à tout de suite pour le sommet. Yeah!
Le sommet en vue, là. Donc ceci n'est pas le vrai sommet. Le vrai sommet est là-bas. Voilà. Oh, fantastique. Yes. At the summit. Yes. Alpha Mike 114. Ouais, Alpha Mike 114, salut les Mazaviques et Patrice, j'espère que tu vas bien. Pascal au micro, là, sur le 14 Alpha Tango, barré Alpha Bravo 370. Et donc toi, ça doit être 14 FTX, barré Alpha Mike 114 à QSL. Patrice, tu m'arrives bien à 57 QSL. Ok Pascal, tu arrives 55-56 ici sur le Mont Télan. À 2938 mètres d'altitude. Et toi, Patrice ? Roméo Charlie 615 mobile, Patrice. Avec QSL, Patrice. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Hein. 73, déjà, d'une part, j'ai regardé un petit peu ta vidéo là, sur la montée. Là. Félicitations. Belle ascension encore une fois. Et bah, écoute, content de t'entendre. Content d'être le deuxième. Hein. Ça change un petit peu. Hein. Ah, si, moi, je suis en mobile. Hein. Voilà, allez. Mais écoute, je te souhaite de passer une bonne journée. Je vais laisser. Patrick, 14 FDX, 2, 4, 6, 3, bonjour à toi. Ouais, bonjour Patrice, bien content de t'écouter. Hein. Il y a un petit moment que je suis à l'écoute. Et toi, je croyais que tu allais passer sur 695, mais bon, 610, ça marche bien. Hein. Tu es 55 là, hein, sur 3 euros sur le gare, Patrice. Hein. Ouais, ok, Ghislain, 14 FDX, 125, tu es dans le log. Tu es 50, pas de signal, mais une radio de 5, ok? Ouais Guillaume, c'était toujours là, 14 Golf Charlie 013, Guillaume à toi. Ouais ok, bah écoute, j'ai eu le temps d'allumer l'ampli là, de faire un peu chauffer, donc tu devrais un peu mieux me recevoir. Ouais, Laurent, 14 Whisky Alpha Charlie 917, ouais, directive, c'est vrai que pour le local c'est pas top, mais bon ça va abîmer sur toi, moi je t'écoute bien, je crois que tu es 52 là. 14 Mike Zebra Michel 73. J'ai attiré un peu ce matin, j'ai rentré chez moi et
Roger. Ouais, 066, c'est dans le log. 14 Sugar Delta, 066. Vous êtes dans le log, in the log, ok? Pendant ce temps-là, on entend Roger qui s'égosille là-bas, à l'autre bout du sommet. Et il commence à plus avoir de voix, c'est pas bon signe. Bon les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais il est midi et demi, le sauta ça creuse, donc... On va se manger des chips, on va se boire une petite canette de Lipton Yellow, on va se manger ma traditionnelle boîte de thon, la catalane, voilà, une barre ou deux et puis ça ira bien. Ah tiens, c'est dommage, j'ai pas fait... Je vais vous montrer avec le deuxième paquet, c'est marrant, les choses gonflent en altitude. Le paquet de chips, il est tout gonflé. Parce que la pression en altitude est moins importante qu'au niveau de la mer. Donc le volume gonfle. Alors un petit peu de physique. PV égale constante. La pression que multiplie le volume doit être une constante. Et donc si on monte en altitude, le volume augmente puisque la pression diminue. A l'inverse, quand on fait de la plongée, la pression est beaucoup plus importante et donc le volume diminue. D'ailleurs les poumons des apnéistes et des plongeurs sont compressés. Bon voilà, c'était le petit moment c'est la rentrée des classes, donc un petit peu de cours de théorie de physique, ça fait pas de mal. Hein. Bon, ouais, j'arrête de déconner, je mange. Ouais, le nord de l'île de la Réunion, bonjour. Attention, le nord de l'île de la Réunion, 173 points d'interrogation. Ici 14 FDX, séparation Alpha Mike 114. Le sud de France, dans les montagnes alpines. Dans les montagnes alpines, QSL? Activation terminée. C'est mal poli, je parle la bouche pleine. Je mange une petite barre de céréales avant la descente. Ce fut un régal. Panorama, allez, avec la vue sur les écrins derrière. Les écrins toujours enneigés, évidemment. Quoi vous dire d'autre que de vous dire, venez en montagne pour voir ce que c'est. Voilà, allez, fin de l'activation donc.
comme toujours, j'ai pas envie de descendre. On n'a pas envie de descendre. Il y a Roger là-bas. Bah, il est en train de boire un petit coup. Il a rangé également son sac. Je vous dis, on vous dit à bientôt. Je vais aller le rejoindre pour faire le petit coucou de la fin. C'était le dernier sauta de la saison estivale. En tout cas, en très haute montagne. Les prochains seront beaucoup moins hauts. Et je vous dis à bientôt. Je vais rejoindre Roger et puis on va faire le petit coucou final là-bas. Mr. Roger Roger! Yes, I am! Yes, he is! Bien, alors Roger. C'est fini. On n'a pas envie de partir, hein. Hein, qu'on n'a pas envie de partir. Non. On n'a pas envie de partir parce qu'on est bien. Pas allez. Non, je ne veux pas descendre. Et en plus, j'ai déjà annoncé que c'était... Non, je veux pas descendre. C'était fini pour cette année. Les hauts sommets. Ah, peut-être. Les hauts sommets. Non, c'est peut-être. Ah, c'est peut-être. Pour moi, c'est fini. Après, pour d'autres, on ne sait pas. Pour d'autres, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Ouais. Bon, allez. Enfin, bon, il faudrait se calmer quand même un peu. Faut se calmer, ouais. Moi, je me calme. Lundi, je rentre au boulot, donc c'est vite vu. Ouais. 73 à tous, à bientôt, au revoir. Ciao, les gars. Tiens, tiens.